Bonjour et bienvenue à Mixe-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer la noix de coco. Donc, il y a plein de choses qu'on va faire avec la noix de coco et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va faire trois recettes. Moi, j'adore la noix de coco et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui adore la noix de coco ici parce que elle est utilisée dans plusieurs pays. Donc, c'est sûr que c'est utilisé dans les pays de l'Asie, comme la Thaïlande, les Philippines, le Cambodge. C'est utilisé dans les Antilles, dans les îles, Jamaïque, Cuba, Trinidad. C'est utilisé en fait n'importe quel pays qui est un pays chaud. Donc, on aime ça, la noix de coco. Donc, on va célébrer la noix de coco aujourd'hui. On va commencer par une recette assez simple qui est une pina colada. Donc tout le monde connaît ça. C'est un cocktail, mais on va faire ça sans alcool. Donc je vais commencer tout de suite. Donc pina colada, c'est vraiment simple. C'est l'ananas que j'ai. En fait, aujourd'hui, j'ai utilisé l'ananas en boîte. Vous pouvez utiliser l'ananas congelé aussi ou l'ananas frais, évidemment. Mais vu que c'est pas la saison, on utilise ce qu'on a. Okay? Donc, c'est ça, je vais prendre l'ananas. Et l'ananas que j'ai aujourd'hui, c'est l'ananas, comme je dis, en boîte, mais dans un jus. On ne va pas utiliser le jus, mais si vous achetez l'ananas qui est dans un sirop, il faut vraiment l'égoutter puis le rincer parce que c'est vraiment trop sucré. Okay. Entre-temps, je vais mettre le rond parce que pour la prochaine recette, vous allez voir, ça va être un riz à la noix de coco. OK, ça c'est bon. Après ça, je vais mettre le... En fait, c'est le lait de coco. C'est très, très, très épais. Puis moi, j'aime ça l'acheter comme ça en litres parce qu'aujourd'hui, on va utiliser beaucoup de lait de coco. Donc, c'est pratique comme ça. Ça s'achète aussi en petite boîte. Donc, je fais ça un petit peu à l'œil. Comme ça. Et aussi pour que ça soit pas trop épais, j'aime ça rajouter aussi l'eau de coco. Donc l'eau de coco, c'est très populaire maintenant. Et cette eau de coco que j'ai ici, il y a même des morceaux de noix de coco. Donc c'est pour ça que je l'aime. Comme ça. Comme ça, ça va pas trop épais. OK. Donc, je vais juste voir le rond. OK, c'est bon. C'est ça. Donc, je vais mettre le couvercle. Voilà. OK. Voilà. OK. Donc là, ici... Parfait. Là, ici, dans mon verre, j'ai juste la glace. Comme je disais aujourd'hui, ça va être une recette sans alcool. Mais vous pouvez mettre du rhum. Pourquoi pas, si vous voulez, à la maison. OK, mettre ça de côté. Et je vais goûter vite, vite, comme ça, là, parce que c'est vraiment trop tentant. C'est bon. Puis comme vous avez vu, j'ai pas mis de sucre, juste l'ananas, juste l'eau de coco qui est naturellement sucrée. C'est parfait, c'est crémeux, c'est tropical. Donc, on aime ça. Donc là, je vais juste mettre ça de côté parce que... Donc, les deux autres recettes qu'on va faire aujourd'hui. Un riz à la noix de coco et un curry, noix de coco, poulet, légumes. Donc, les trois recettes, comme j'ai dit au début, la noix de coco, on utilise ça pratiquement partout, tous les pays. Donc, on peut dire que notre boisson, ça vient plus des Antilles, des Caraïbes. Notre riz à la noix de coco, ça vient plus de l'Inde, inspiration indienne. Et puis notre curry, c'est peut-être plus inspiration, peut-être thaïlandaise, on dirait. Donc là, on va commencer, c'est vraiment un mix. Donc là, on va commencer avec, pour griller notre noix de coco, j'ai
une poêle ici, mais j'ai rien. J'ai pas mis d'huile, j'ai pas mis de gras, rien. C'est juste une poêle qui est vraiment, vraiment chaude. Je vais mettre la noix de coco qui est râpée, mais non sucrée. OK? Je vais mettre ça comme ça. OK? Puis il faut vraiment juste garder un œil là-dessus parce qu'on ne veut pas que ça brûle. On veut que ça soit comme rôti, mais on ne veut pas que ça brûle. OK? Donc, je vais mettre ça de côté. Voilà. Puis je vais juste comme faire une couche très, très, très mince pour que vraiment ça grille. Je garde toujours un œil parce que je ne veux vraiment pas que ça brûle. OK? OK. Je vais jouer avec ça de temps en temps. Donc, ça va griller. Puis quand ça va griller, on va le mélanger avec notre riz. Je vais commencer avec l'oignon, l'ail et la carotte pour notre carré. Donc, cette recette, elle est vraiment simple. Okay. C'est vraiment facile à faire. C'est une recette qu'on peut faire pendant la semaine, une soirée de semaine après le travail parce que vraiment, ça prend rien de temps et c'est vraiment, vraiment goûteux. Okay. Donc, la noix de coco. La noix de coco, premièrement, je garde toujours un œil sur la noix de coco si je ne veux pas que ça brûle. Je vois que ça commence à brunir. Donc, la noix de coco, elle n'est pas... c'est pas un noix, comme les gens pensent. C'est pas un noix, c'est un fruit. OK? C'est un fruit que plusieurs parties de ce fruit peuvent être utilisées. C'est un fruit qui est riche en cuivre. Puis le cuivre, c'est important pour la formation des os. En manganèse aussi. Manganèse, c'est vraiment important pour la formation des os. OK. Ça, c'est parfait. Là, je vais juste laisser ça rôtir encore plus. On va prendre une mini pause, puis là on va revenir pour continuer notre curry, poulet et noix de coco, puis je vais parler encore des vertus de notre noix de coco. Alors notre noix de coco râpée, elle est grillée. C'est légèrement brun, c'est pas brûlé, c'est ça qu'on veut pas. Donc, ce qu'on va faire là maintenant pour faire notre riz à la noix de coco, c'est qu'on va rajouter du riz, mais le riz, il est déjà cuit. Puis j'ai laissé tiédir, mais en fait refroidir un petit peu parce que quand on fait le riz tout de suite, puis on le met dans la noix de coco, ça devient comme collant parce que le riz fraîchement cuit, c'est comme. C'est humide, hein? Donc, je vais laisser ça refroidir un petit peu. Ça, je vais rajouter à notre noix de coco. Okay. Après ça, on va tout mélanger. Puis ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment, vraiment bon. Puis, comme j'ai dit, il ne faut vraiment pas utiliser la noix de coco qui est sucrée. Surtout pas. Parce que même quand on fait griller la noix de coco qui n'est pas sucrée, il y a comme un petit goût sucré qui sort. Donc, utiliser une noix de coco râpée qui est sucrée, c'est vraiment trop de sucre. Hein? On fait pas un dessert ici, hein? C'est un repas principal. Donc là, je vois, c'est ça, le rond est toujours sur comme un feu moyen. Donc, je vois toujours que ça grille toujours, puis ça réchauffe le riz. Puis c'est ça vraiment qu'on veut. On voit vraiment des petits points bruns dans le riz. Okay? Donc, je vais juste mélanger ça tout de suite parce qu'en fait, pour la deuxième recette, on va utiliser la même poêle, OK, pour garder les saveurs, OK? Donc, je vais juste mélanger le tout, faire réchauffer le riz avec la noix de coco. Puis après ça, on va commencer avec la deuxième recette. Parfait. Ça, c'est parfait. C'est vraiment ce que je veux. Okay. Donc, le riz qui est mélangé avec la noix de coco, je vais le mettre dans le même bol que j'avais ici. Garder pour plus tard. OK. Pour quand tout va être prêt, le curry et tout. OK. Oh boy. Ça sent tellement, tellement bon. Ah. Vraiment. OK. Voilà. OK. C'est toujours chaud. Mélange un petit peu. Ça sent vraiment, vraiment bon. Mets ça de côté pour plus tard. Là,
Je vais commencer à couper mes légumes, mais entre-temps, je vais faire cuire le poulet. Aujourd'hui, j'utilise du poulet. Des fois, pour cette recette, j'ai déjà utilisé du tofu. Mais aujourd'hui, c'est le poulet. OK? Voilà. Donc, je vais prendre une cuillère. Comme ça. OK, je vais attendre un petit peu. OK. Donc, ouais, c'est ça, c'est pas très trop. Là, je l'entends. Là, je l'entends. Donc, la noix de coco. C'est quoi le mythe qui tourne autour de la noix de coco? C'est que, est-ce que c'est un bon gras? Est-ce que c'est un mauvais gras? La noix de coco, c'est un fruit, OK? Normalement, les gras saturés, on retrouve ça, les gras saturés, dans les produits animaux. Donc, c'est sûr que c'est dans la viande, dans le bacon, dans un steak, la viande hachée, là. Ça, c'est les sources de gras saturés. La noix de coco, c'est une exception parce que c'est un fruit, mais ça contient du gras saturé, OK? Donc, je sais, il y a beaucoup de mythes qui tournent autour de ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est différent vu que c'est un gras saturé qui vient d'un fruit? En fait, la raison, c'est non. Ça reste que c'est un gras saturé. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut juste dire qu'il faut l'utiliser avec modération, comme tous les autres gras saturés, comme le beurre, c'est ça, comme le bacon qu'on aime, comme je sais pas le lardon, c'est ça les charcuteries et tout ça. Donc c'est ça, c'est pas un super gras. Les gens pensent que c'est un super gras parce que c'est la noix de coco. Ça reste que c'est un gras saturé. Ok, donc faut faire attention. Mais comme je dis aujourd'hui, on célèbre la noix de coco. Donc, la nutritionniste en moi dit que c'est correct d'en manger. Hein? Tout avec modération. Donc là, je suis en train de couper l'oignon. Je suis en train de griller, de cuire le poulet. Okay? Et ce qu'on va faire pour vraiment donner beaucoup de goût à ce curry-là, c'est on va utiliser une pâte de curry. Je vais vous montrer tantôt. Okay. 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 Donc, c'est ça. La noix de coco, comme j'ai dit, il faut faire attention au gras, okay, de la noix de coco. Mais elle est quand même une bonne source de fer aussi, la chair, là. De fer et aussi de zinc. Okay? Et pourquoi c'est important le zinc? En fait, c'est important pour la peau, avoir une belle peau, avoir si on a des plaies, si on a un petit bobo, ça aide avec la guérison. Donc, c'est ça, la noix de coco a quand même des bonnes vertus. Okay? Moi, je pense jamais qu'il y a des bons aliments, mauvais aliments. Chaque aliment, on peut manger. Chaque aliment peut faire partie de notre alimentation équilibrée. Il n'y a vraiment rien qui est interdit. Puis c'est ça, on peut manger vraiment de tout. Okay? Donc, il n'y a pas de mauvais et de bonnes choses. Okay? Là, OK, j'ai coupé un oignon. Un oignon, c'est assez. Okay? Après ça, je vais mettre de l'ail. Vous pouvez mettre 2 gousses d'ail si vous voulez. Moi, j'aime ça vraiment beaucoup, l'ail. Donc, je vais probablement mettre 4. Donc c'est ça, je vais continuer à couper ça, puis au retour de la pause, je vais parler de tous les légumes qu'on va mettre dans notre curry, noix de coco et poulet. À tout de suite! Alors, j'ai coupé mon oignon, j'ai coupé l'ail, je vais rajouter au poulet. Donc, je vais faire ça tout de suite. OK. OK. Oignon et l'ail. OK, voilà. Et ce que je vais rajouter aussi, mélanger le tout, c'est ça qui va donner beaucoup de saveur. Donc, aujourd'hui, comme j'ai fait un curry, j'ai utilisé une pâte de curry vert.
Ça s'achète normalement dans les épiceries asiatiques, mais maintenant en grande surface, on peut les retrouver. Donc moi, aujourd'hui, j'ai choisi une pâte de curry vert. Il y a aussi le curry jaune, il y a le curry rouge. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi ça parce que c'est doux. Si vous voulez ça plus épicé, vous pouvez aller plus avec un curry rouge. Okay? Donc là, c'est ça, je vais prendre la cuillère du riz. Je suis très généreuse avec la pâte. Donc, je vais mettre peut-être une cuillerée et demie, une cuillerée à soupe et demie de pâte de curry vert. Okay? Puis c'est ça qui va donner vraiment, vraiment beaucoup de goût parce que vraiment dans ces pâtes-là, c'est un mélange de chili, et c'est un mélange de d'ail, de citron, des feuilles de citron en plus. Donc c'est ça, ça donne vraiment beaucoup de goût. Là, je vais couper la carotte. Donc ça, les légumes qu'on va mettre aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'adore cette recette parce que non seulement, ben en fait, c'est vraiment un repas complet et délicieux. On a notre protéine qui vient de la viande, le poulet qu'on utilise aujourd'hui. Sinon, comme je dis, vous pouvez toujours utiliser du tofu, des crevettes aussi, ça marche. Donc, c'est notre protéine. Puis on a nos légumes, nos antioxydants, les fibres qui viennent de nos... c'est ça, tous les légumes qu'on va utiliser. On a la carotte, on a le brocoli, on a des pois mange-tout, des pois sucrés et aussi des mini-mini, des bébés carottes, OK? Faut juste faire attention de ne pas mettre des légumes qui donnent beaucoup d'eau, OK? C'est pour ça que j'ai choisi ces légumes-là, parce que ça fait pas beaucoup d'eau. Croyez-moi que j'ai déjà fait l'erreur de mettre des poivrons, de mettre des aubergines, et ça a dilué un petit peu le goût. C'était pas mauvais, mais ça a dilué un petit peu le goût de mon curry. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la carotte, le maïs, le brocoli. Parce que ça donne pas beaucoup d'eau. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est on a le brocoli ici. Avant de mettre les fleurs de brocoli, j'aime ça couper les tiges fines, moi, parce que moi, je n'aime pas ça gaspiller quoi que ce soit de mon légume. Donc, finement. Et je vais mettre ça tout de suite avec les carottes, parce que les carottes, ça prend plus de temps. OK. Les carottes, ça prend plus de temps et aussi les petites tiges de brocoli aussi. OK? Voilà. OK, c'est bon. OK. Non, j'ai le tout encore. Ça sent vraiment bon. Puis déjà, avec la pâte, c'est ça, on sent plusieurs niveaux de saveur, mais quand on va rajouter la noix de coco, ben le lait de coco, ça va vraiment, en tout cas, ça va vraiment être un plat que tout le monde va aimer. Je vous jure. OK, donc là, c'est en train de cuire. Quoi d'autre j'ai besoin? Ah oui, le gingembre. Le gingembre, comme vous connaissez déjà, là, j'aime ça le râper. Parce que ça donne vraiment beaucoup de goût aussi quand on râpe le gingembre. Je vais mettre deux morceaux de gingembre et je vous fais le rappel tout le temps de garder votre gingembre au congélateur. C'est pratique, ça ne se perd pas. Puis ça, je les coupe en petits morceaux, je les garde au congélateur. Mm-hmm. OK. Donc le gingembre aussi, ça donne beaucoup d'antioxydants à notre recette, à notre plat. OK. Oh, wow! Juste le mélange de saveurs, là, c'est incroyable. Parfait. Good, good, good. Là, je vais couper les brocolis. Puis, c'est ceux qui n'aiment pas les légumes chez vous, là, je vous jure qu'ils vont aimer ça. Parce que le goût crémeux de la noix de coco, là, difficile à résister. Donc là, c'est ça, je vais juste garder ça de côté pour la fin, parce qu'on ne va pas surcuire les brocolis non plus. OK? Je vais rajouter mon lait de coco. OK?
encore à l'œil. Okay? Moi, j'aime ça avec beaucoup de lait de coco. Donc, c'est ça. Voilà. Ça sent vraiment bon. OK. Je vais laisser mijoter un petit peu. Je vais rajouter les brocolis, les pois mange-tout, les pois sucrés, le maïs. Je vais le couvrir. Laisser mijoter peut-être 15 à 20 minutes. Quand on va revenir, on va goûter à tout ce qu'on a fait avec la belle noix de coco. À tout de suite. Alors, ma petite fête, ma petite fiesta de la noix de coco, tout est préparé, tout est prêt. Donc, on va déguster. Et même si j'ai déjà goûté à mon pina colada, je vais prendre notre petite gorgée, pourquoi pas. Hein? C'est vraiment bon. Et comme j'ai dit, j'ai même pas mis de sucre. Puis c'est assez sucré, juste avec l'ananas en canne que j'ai utilisé et l'eau de coco. Donc là, maintenant, j'ai vraiment hâte parce que je vais goûter à mon curry que je vais mettre avec le riz. Là, le riz, comme vous pouvez voir, c'est le riz qu'on a fait avec la noix de coco grillée. Donc, il y a des petits bouts de noix de coco grillée, on peut les voir là. Oh, ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment, vraiment bon. Donc, je vais me préparer une petite assiette. Comme ça. OK. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Et c'est vraiment simple. Hein? Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait griller la noix de coco puis j'ai mélangé avec du riz. C'est tout, mais ça donne tellement un bon goût. Pour mon curry, je vais... Ah, regardez-moi ça. Donc, je vais prendre un peu de poulet. Je vais mettre sur le riz. OK, voilà. Un peu de poulet. Un peu de... les carottes, le maïs, les petits bébés maïs qui sont tellement mignons. Un peu de pois mange-tout, un peu de tout en fait. La sauce, hein, où est-ce qu'on a la pâte de curry vert. Excellent. Oh, ça sent vraiment bon. Okay? Puis aussi, pour ajouter un peu de fraîcheur et pour une belle présentation, j'aime aussi rajouter à la fin un peu d'oignon vert. Donc vraiment un petit peu mini lanières comme ça. Okay? Une rondelle, je devrais dire, pas des lanières. Juste comme ça, c'est tellement beau, c'est tellement mignon. OK? Et toujours un peu de coriandre, parce que coriandre fraîche avec la noix de coco, c'est vraiment comme... c'est des meilleurs amis. C'est vraiment les meilleurs amis ensemble. Donc ça, comme ça. Puis comme je dis, ça rajoute vraiment beaucoup de fraîcheur. Voilà. OK, moment de vérité. De toute façon, je sais déjà c'est quoi le verdict, mais... je vais goûter un peu de tout. Donc poulet, un peu de carottes, mini morceau de maïs. Avec mon riz. C'est vraiment, vraiment bon. Toutes les saveurs se mélangent vraiment bien. Ça mixe vraiment bien. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez essayé ça à la maison. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencesidney.com et on se voit la semaine prochaine.